montée des eaux du fleuve Congo, c'est une fin de l'étiage qui impacte positivement la desserte en électricité dans la ville de province Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Le chef de l'État a regagné Kinshasa hier après un séjour en Israël, Rome et Écosse. Félix-Antoine Tshisekedi a été accueilli à l'aéroport international de Ndjili par la population qui a voulu lui témoigner son soutien. Reportage Patrick Michel Mukui. Diplomatie à Tel Aviv, développement industriel à Rome et climat à Glasgow. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné ce jeudi son pays aux côtés de la première dame après avoir accompli l'une des plus importantes missions de sa mandature à la tête de l'Union africaine et de la RDC. Les dirigeants des institutions du pays sont venus le saluer à sa descente d'avion. L'Afrique tout entière a suivi avec attention la défense de sa position portée face aux dirigeants des grandes puissances économiques mondiales par son représentant au G20. En défendant les intérêts du pays à la COP26, le président Félix-Antoine Tshisekedi vient définitivement d'inscrire la RDC au cœur des enjeux mondiaux de la crise climatique et de la transition énergétique. Tel un combattant de retour de la ligne de front, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a été agréablement surpris par la mobilisation spontanée de Quinois qui ont pris d'assaut l'entrée du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. À la demande de la foule, le chef de l'État est descendu de son cortège pour communier avec son peuple. Ce qui devait être alors un parcours ordinaire s'est très vite transformé en procession. Le long du trajet, des femmes, hommes et enfants brandissant pour certains des drapeaux de partis politiques de l'Union sacrée de la nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Lumumba noir de monde, le cortège présidentiel a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la 10e rue limitée, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du 5e président de la RDC. De Lumumba à Sendwe, en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'attirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et au cours de sa dernière journée à Glasgow, en Écosse, où il a participé aux travaux de la COP26, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des entretiens avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et aussi il a eu des entretiens avec le représentant du président américain pour le climat, John Kerry, avant de visiter le stand de la RDC au site de la conférence des Nations Unies sur les climats. C'est un reportage commenté par Pierre Kibambeso Moïsa. Les États-Unis d'Amérique s'intéressent à la République démocratique du Congo, souhaitant accompagner le pays dans ses efforts de préservation des forêts et des productions d'énergie propre renouvelable. C'est une retombée de la participation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow en Écosse. Déjà sur place, le chef de l'État a eu des entretiens avec l'envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, John Kerry. Ces échanges en marge de la COP26 ont été axés sur cette problématique au nom de la survie de l'humanité à l'heure du réchauffement climatique. Au sein des installations de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours d'une projection sur le bassin du Congo, ses deuxièmes poumons écologiques mondiaux et une réserve cruciale des biodiversités et le puits de carbone grâce à ses tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale. Les deux chefs d'État ont évoqué le fonds bleu pour le bassin du Congo qui constitue à ce jour un enjeu africain et planétaire.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par ailleurs visité le stand de la République démocratique du Congo installé dans le site de la COP26. Sous les explications de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, des explications supplémentaires en rapport avec l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions de gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. C'est par ces différentes activités que le chef de l'État a clôturé son séjour à Glasgow dans le cadre de la COP26. Sa brillante participation aura fait avancer à coup sûr le débat sur le changement climatique. Une forte délégation des femmes leaders des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été reçue par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant Gilbert Kabanda. L'insécurité persistante dans leurs entités respectives était au cœur des échanges. Elles sont venues plaider pour le retour définitif de la paix dans l'est de la RDC. Reportage Jojo Ndibou. Mener un plaidoyer auprès des autorités nationales pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, c'est la démarche des femmes leaders du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces femmes ont franchi le portillon du ministère de la Défense nationale. Elles préconisent la révision des stratégies pour assurer le retour de la paix dans l'est de la RDC. Cette délégation a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga, qui lui a fait part de la volonté du chef de l'État de rétablir la paix dans l'est du pays. La délégation était conduite par Madame Patience Sinamouli, présidente du point focal du collectif des associations féminines pour le développement de la ville. Si nous sommes venus voir le ministre de la Défense, c'est parce qu'il a dans ses responsabilités la protection de la population et c'est lui qui coordonne toutes les opérations sur le terrain. Alors pourquoi est-ce que nous sommes venus pour remettre nos recommandations par rapport à ce que nous traversons au Nord Kivu et à l'Ituri. Et nous sommes venus le voir pour qu'il revoie d'autres stratégies sur le terrain, parce que nous en avons assez. Et que les jeunes continuent à dénoncer. Les mamans que vous voyez ici avec nous dénoncent souvent les différents cas que nous traversons. Celle-ci a indiqué que l'insécurité qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au quotidien constitue un frein au développement de la partie est de la RDC. Les femmes et les enfants en sont surtout les grandes victimes. La haute cour militaire a poursuivi l'instruction dans l'affaire Floribert Chebeya avec l'audition des renseignants, le lieutenant Bokungu et le général Zeloa Katanga Djadidja au sujet de la succession des événements en date du 2 juin 2010 et de la présence du corps sans vie dans la concession du général Djadidja à Mitendi. Une audience foraine est prévue le mercredi prochain à Mitendi dans la concession du général Djadidja. Plus de précisions dans son reportage de Marie Kalong. Floribert Chebeya à la haute cour militaire, le procès se poursuivit avec l'audition des renseignants à la barre pour éclairer la religion sur la succession des événements à la date du 2 juin 2010 à Mitendi. Le renseignant, lieutenant Bokungu, a reconnu sa présence à Mitendi en cette date avec le lieutenant Katebere. C'était aux environs de 18h que ce dernier était parti pour revenir le jour suivant à 5h. Quelque temps après son arrivée, ils étaient tous instruits de sortir le corps sans vie se trouvant dans la voiture aux alentours. Face à toutes ces révélations et à la confrontation avec le lieutenant Katebere, le ministère public a demandé à la cour la poursuite du renseignant Katebere suivant la loi pour faux témoignage. Et concernant la présentation du document de contrat de cession de l'une de ses concessions à Mitendi, le renseignant général Zeloa Katanga Djadidja a simplement déposé à la cour un mémo dans lequel il sollicite la compagnie de son avocat. Que à ce stade de la procédure, la cour vous a appelé parce que elle voulait avoir la manifestation de la vérité pour les faits mis à charge de prévenus Ngoï Konga Kenga et Migabo qui est en appel et le ministère public qui est en appel et l'appel du ministère public est général. On vous a jamais posé une question par rapport à votre décision de renvoi parce que d'abord vous n'êtes pas prévenu et ici nous nous limitons sur des faits précis et ici on ne vous a pas mis en cause. On n'a pas dit que vous avez fait ça,
On ne vous a pas mis en prévention. Ici, nous voulons seulement avoir de renseignements. Ce refus de répondre à la Cour a été interprété de défi par les avocats de la défense. Ils l'ont ainsi considéré coupable suivant l'article 78 de la procédure pénale ordinaire et l'article 153 alinéa 4 de la Constitution. Pour dépassionner le débat, le ministère public a ramené le renseignant général Djadjidja à la raison. Celui-ci a accepté de répondre à la Cour sur les questions relatives, entre autres, à la présence d'un corps sans vie dans sa concession de Mitendi. L'audience a été suspendue et ramenée au mercredi 10 novembre 2021 pour la descente sur le site de Mitendi appartenant au général Djadjidja. Ce site est supposé être le lieu où serait enterré le chauffeur de Floribert Chebeya, selon les dépositions du renseignant Doudou Ilunga et du prévenu Jacques Mugabo. Une délégation belge séjourne à Kinshasa, conduite par le ministre d'État belge André Flao. Elle a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ils ont parlé coopération entre la Belgique et la RDC. Doris Mozotamboui. Une délégation belge à Kinshasa, conduite par le ministre d'État belge André Flao. Elle a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à peine revenu d'un long périple africano-asio-européen. André Flao circonscrit la mission parlementaire qu'il conduit dans le cadre d'une volonté de son pays de redynamiser les relations avec la République démocratique du Congo. Autour de la table, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres l'épineuse question de la révision de l'accord de coopération de 1990, 31 ans après la République démocratique du Congo, pense qu'une commission mixte doit être mise en place pour la révisitation de ce cadre institutionnel et qui sera une boussole de suivi des projets communs. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula a consacré la majeure partie de son exposé à l'importance de la mise en place de la commission mixte pour un véritable soutien de la Belgique dans le programme multisectoriel de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la gouvernance provinciale à travers le renforcement de capacités, la formation des jeunes à travers l'octroi des bourses ainsi que la restitution des œuvres d'art. La question de l'état de siège et des élections était également sur la table des échanges. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie congolaise, a également fait mention des différentes rencontres qu'il a eues lors de son récent séjour en Belgique et quelques accords signés sur place à Bruxelles. 2021, année jubilaire pour la Tour de l'échangeur, elle mérite d'être célébrée. Le ministre d'État belge André Flao, qui séjourne actuellement à Kinshasa, a exprimé sa volonté à prendre part à ce grand événement. Il est allé sur place pour s'imprégner des préparatifs de ce cinquantenaire reporté au mois de décembre prochain. Mireille Ndeke. Décembre à 2021, mois consacré au cinquantenaire de la Tour de l'Échangeur, les décors est déjà planté pour célébrer ces jubilés. La société événementielle Médiamage, en charge de l'organisation qui dirige Steve Condé, veille sur le petit détail afin que ce grand rendez-vous culturel connaisse une réussite totale. Des investisseurs et partenaires se bousculent pour prendre part à cette grande fête. Parmi eux, on retrouve le ministre d'État belge André Flao et la Chambre de commerce du Grand Kassai. Après avoir effectué une descente sur le site afin de s'informer sur le préparatif, les deux parties, ensemble avec les comités de gestion de la Tour de l'Échangeur, ont tenu une séance de travail afin de faire des analyses sur l'engagement de chaque partenaire. Pour le coordonnateur de la Chambre de commerce du Grand Kassai, Clément Ilunga, ce conteneur est une occasion propice pour démontrer au public l'importance de ce patrimoine dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Occasion également de présenter quelques activités exercées déjà sur place, jusque-là encore peu connues de la population congolaise. Il y a lieu de rappeler que la Belgique venait de faire un don de livres à la bibliothèque logeant au sein de la Tour de l'Échangeur, ce qui prouve à suffisance l'importance qu'accorde la Belgique à la relance de la culture en République démocratique du Congo.
Avoir une connaissance exacte sur la contribution globale du secteur privé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, tel est l'objectif du lancement officiel du processus d'élaboration d'un rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des ODD. Cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre en charge du plan, Christian Mwanzo. Reportage Peggy Mukunda. Elle est déterminée à appuyer le gouvernement congolais dans le processus des objectifs de développement durable, ODD. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, représentant du secteur privé, vient de signer un protocole d'accord avec le gouvernement au travers l'Observation congolais du développement durable, OCDD. C'était au lancement officiel du processus d'élaboration du rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des ODD. Cérémonie présidée par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba. Il s'agit d'un programme d'action qui comprend 17 objectifs de développement indissociables, intégrés, globaux et applicables universellement, avec comme mission d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, préserver l'environnement et assurer l'avènement des sociétés pacifiques, durables et inclusives. Ces partenariats, combien appréciables. Il nous faut donc une contribution significative pour consolider davantage ces domaines des ODD pour le développement de notre pays, a martelé l'administrateur délégué de la FEC. Nous sommes appelés à travailler main dans la main dans sa mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, a signifié dans son mot le coordonnateur de l'OCDD. Pour faire corps avec le gouvernement, les Nations Unies s'engagent davantage pour accompagner la RDC dans ce processus des ODD à travers le PNUD, a mentionné son représentant Dominique Sam. Les agents de la Metelsat ont assiégé le mardi dernier l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leurs revendications. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a tenu une réunion à ce sujet avec le directeur général et le banc syndical de la Metelsat. Mais bien avant, Chérubin Okende a fait la ronde de différents sites où s'effectue la paye des agents de la Société commerciale des transports et ports. Reportage Myriam Madiga. C'est une promesse tenue par le gouvernement. Les agents de la Société commerciale des transports et ports ont perçu 2 mois de salaire sur les arriérés et ont décidé de reprendre le travail après 2 semaines de grève. Le ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements a fait la ronde de différents sites afin de se rendre compte de l'effectivité de cette paye. Chérubin Okendesenga, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila, a commencé par le chantier naval en passant par le port de Kinshasa, le chemin de fer de la gare centrale, pour terminer au siège des affaires sociales. Le ministre de Transport a été accueilli dans ces différents sites par des cris de joie. Mais pendant ce temps, la situation qui prévaut à l'Agence nationale des météorologies et de télédétection par satellite va de mal en pis. Les agents ont assiégé l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leur cri au ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements. Chérubin Okendesenga a mis autour d'une table le banc syndical et le directeur général du Metelsat. Les grévistes dénoncent la spoliation des espaces de la Metelsat, la mégestion et tant d'autres faits. Une situation que le ministre de Transport promet de régler dans les prochaines heures. L'on observe une montée des eaux du fleuve Congo, une situation qui permet aux machines Dinga 1 et 2 de tourner en plein régime, une fin de l'étiage qui impacte positivement la desserte en électricité dans la ville-province Kinshasa. Yvette Makoutima nous en parle à travers ce reportage commenté par Cédric Kenina. Il n'est resté plus que ça. Fin de l'étiage, début de la montée des eaux du fleuve Congo, baisse de la fréquence de délestage dans la capitale, la saison sèche s'est achevée, le majestueux fleuve Congo reprend son cours normal et du coup, les parcs de production de la SNEL SA dans le Congo central tournent de nouveau en plein régime. Inga 1 et Inga 2 ont été frappés par un étiage sévère au mois d'août dernier. Étiage qui a atteint un niveau record des 5 à 6 mètres carrés dans la prise d'eau et les bassins de Chongo. Et maintenant que la situation est normalisée, Inga 1 tourne avec ses 6 machines et Inga 2, 4 sur 6 sont en service.
Aujourd'hui, comme vous regardez derrière moi, des 147 mètres, aujourd'hui on est à 152,88. On a assez d'eau, donc les machines tournent normalement à Inga 1 et normalement à Inga 2. La SNEL avait dit que c'était un phénomène naturel, c'est ça le réchauffement climatique. Je crois que les gens sont en train de voir les conséquences du réchauffement climatique. Ce n'est pas une messe à faire, hein. On doit s'y atteler. La SNEL entrevoit déjà une campagne pour la création d'un chenal qui va servir de voie de transit pour l'eau dans le but, évidemment, de réduire l'impact de l'étiage l'année prochaine. La participation active de la jeunesse congolaise à la gestion de la chose publique, l'Union des jeunes congolais pour le changement a organisé une journée d'échange à ce sujet. Nadine Kilocho pour d'autres détails. Les états-majors des partis politiques se préparent aux élections des gouverneurs prévues en janvier 2022 et celles de 2023. À l'Union des jeunes congolais pour le changement, UJCC, à travers son vaste programme Tufayulu Pamoja, entendez, réussissons ensemble, les candidatures des jeunes sont à encourager. Au cours de cette rencontre, avec un échantillon représentatif des jeunes, toutes tendances confondues, le coordonnateur national de l'UJCC, Mukenge Totoro, a redit sa volonté d'accompagner les jeunes dans cette démarche. Union des jeunes congolais pour le changement et les plateformes provinciales, UJCC plus 7 en sigle, encourage vivement les jeunes à participer activement à ce processus et ainsi susciter parmi eux les candidatures d'intelligence et de compétences, les candidatures de services pour l'intérêt du peuple congolais. S'appuyant sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui oblige les États membres à faire participer leurs jeunes dans la gestion de leurs États, la RDC étant membre, nous avons ici l'occasion de mettre fin à cette politique qui n'en finit pas de parler de la jeunesse tout en l'instrumentalisant dans tous les domaines. Mukenge Totoro persiste sur la prise en compte de cette couche sociale de la population. L'amélioration des conditions de vie et de travail de médecins en RDC, ce sujet était au centre d'une conférence débat organisée hier jeudi par le syndicat libre des médecins. Lisette Mojinga, Thomas Basilois ont signé son reportage. Au centre de cette conférence débat, faire l'état des lieux, des conditions de vie et de travail des médecins au Congo, de la situation administrative de médecins, c'est-à-dire leur carrière, les omis, les non-payés et les retraités, ainsi que la formulation des recommandations et pistes des solutions au pouvoir public ou décideurs. Le secrétaire général du syndicat libre de médecins, André Kasongo, sollicite pour l'application effective du statut spécifique à leur corporation, ce qui est l'octroi légal, des avantages et primes tels que les allocations familiales, les frais de transport et autres indemnités. Nous avons réfléchi par rapport à la situation des médecins sécuritaires. Il fallait réunir les médecins afin qu'on puisse analyser les conditions et les moyens où on va essayer de faire appliquer cet outil que le médecin possède, qui est un statut spécifique. Lié au serment d'Hippocrate, le médecin doit être placé dans de bonnes conditions de travail, c'est en vue de lui permettre d'administrer des soins de qualité aux patients. La malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou celles qui allaitent est devenue sévère en RDC. Les statistiques renseignent que près de 9 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Le programme national de nutrition Pronanut, en partenariat avec les firmes Nutricet de France Saint-Sauveur, préconise des solutions rapides. Rodé Panda. 42%, soit 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans, souffrent d'une malnutrition aiguë et chronique en RDC. Les femmes enceintes et celles qui allaitent ne sont pas épargnées. La situation est catastrophique. Il faut des solutions rapides et adéquates. Pour y parvenir, le programme national de nutrition Pronanut a organisé une conférence autour du thème « Prévenir la malnutrition en RDC, enjeux et perspectives », ce en partenariat avec Nutricet France et Saint-Sauveur, deux firmes privées.
Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le représentant du secrétaire général à la Santé, qui a ouvert ses cadres de réflexion, n'a pas hésité de reconnaître l'ampleur de la malnutrition en RDC. La question de la malnutrition est transversale. L'implication de tous les secteurs est indispensable, précise le directeur du Pronanut. La finalité est que nous voulons proposer des alternatives pour aider à ce que la population puisse avoir accès aux intrants de nutrition, mais à un coût réduit. La directrice du Nutricept France, dont la firme est spécialisée en produits contre toute forme de malnutrition, avec une expérience de 35 ans, vient avec des solutions adéquates, sans négliger les solutions locales avec l'allaitement maternel et une alimentation diversifiée de qualité. Il y a une malnutrition chronique aujourd'hui, parce que c'est celle qui touche le plus grand nombre d'enfants. Évidemment, on va adresser l'urgence. Donc comment on met en place des mécanismes alternatifs avec l'implication d'un partenariat public-privé pour pouvoir activer tout de suite une solution efficace sur le terrain. Le secrétaire général des ministères du Plan, du Commerce extérieur, des Finances et des Affaires sociales était présent. Les forêts de mangroves absorbent 4 à 5 fois plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales humides. Elles sont également un rempart contre les fortes marées, les érosions côtières ainsi que les ouragans et les tsunamis. Les mangroves, c'est une plante qui est aquatique, elle pousse dans l'eau. Elle est utile pour les animaux et pour les hommes, nous dit Mamita Bangoulou. La délégation des journalistes en communication a effectué une visite touristique dans la province du Congo central, précisément à Mwanda. Parmi les réalités de la nature découvertes, ces chevaliers de la plume et du micro se sont intéressés à la mangrove, une plante qui joue un rôle crucial tant pour les eaux et pour le sous-sol. Les scientifiques précisent que si les mangroves ne sont plus là, les lamantins, espèces phares, les poissons, les crustacés et tout ce qui meurt dans cet écosystème disparaîtront sans aucune forme de procès. En d'autres termes, la mangrove fertilise, stabilise et filtre les sols et les eaux. Les forêts des mangroves absorbent 4 à 5 fois plus de carbone que les forêts tropicales et équatoriales humides. Ensemble, ce sont des plantes qui nécessitent entière protection, comme le confirme Ngueline Païluzon, conservateur de parc. Nous avons 2, 3, 4 espèces de mangroves, mais ce qui est devant nous, ça s'appelle le Rhizophora racemosa. Les Rhizophora racemosa, c'est une espèce qui vit dans l'humidité d'eau pendant 24 heures ou 48 heures. Et l'autre vit tantôt dans l'eau, tantôt il n'y a pas l'eau. Ça, c'est Rhizophora mangale. Avicennia, l'espèce qui s'appelle Avicennia, sont différents avec Racemosa parce que les Racemosa, vous voyez, les feuilles sont vraiment vert foncé, mais l'autre là, a des feuilles, les feuilles sont vert citron. Et il vit là où il y a la terre ferme. Les racines sont des racines qui sortent d'en bas et au besoin même, les racines d'Avicennia, les feuilles d'Avicennia sont salées. La reproduction de cette espèce ici, c'est une question que j'ai reçue aussi. Voilà, il y a des probagules, regarde, il y a des longs fruits qui coulent avec l'eau. Ça, ce sont des fruits de Rhizophora. Ainsi est-il demandé au gouvernement et à toutes les autorités d'assurer une large protection de cette plante rare au monde et très utile pour la faune aquatique et les espèces humaines. C'est en principe aujourd'hui 5 novembre 2021 que vont se clôturer les festivités de 30 ans d'existence du ministère chrétien du combat spirituel. Hier, une conférence de presse a été animée à Kinshasa. Lisette Mujinga. Le ministère chrétien du combat spirituel a animé un point de presse ce jeudi 4 novembre 2021 à Rotana Hotel dans la commune de la Gombe. Il était question de résumer les activités des festivités des 30 années de l'existence de ce ministère débutées les dimanches 17 octobre dernier. La clôture de ce programme intervient le vendredi 5 novembre 2021 par un méga concert qui aura lieu au siège de l'église dans la commune de Limété. Une célébration qui connaîtra la participation des nombreux artistes musiciens congolais et des invités venus de partout à travers le monde, dont Judy Kay, artiste et musicienne nigériane. Dans le cadre des 30 années de la célébration de l'existence de notre ministère, nous avons voulu clôturer ces grands événements avec un méga concert
Notre invité phare de ce méga concert, c'est notre star en Jésus-Christ, la servante de Dieu Julie Kay. Elle ne sera pas la seule, il y a beaucoup d'artistes chrétiens, musiciens de notre pays qui seront aussi là. Une manière de glorifier Dieu, l'initiateur de ces grands ministères au travers de feu, Papa et Maman Olangi. La radio-télévision nationale congolaise est encore une fois de plus frappée par le deuil. Jules Lombo Kashita, sous-directeur aux Infos TV, n'est plus. Il est décédé ce mercredi 3 novembre de suite d'un malaise. C'est l'une des figures emblématiques de la presse congolaise, comme en témoignent ces réactions de nos confrères. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Jules Lombo Kashita. C'est lui qu'on l'appelait affectueusement Papa Jules, attiré sa révérence ce mercredi 3 novembre 2021, suite d'une crise subite. Sous-directeur du desk à la direction des informations télévisées de la RTNC, ta disparition a causé d'énormes ravages dans le cœur de ta deuxième famille, car la radio-télévision nationale congolaise est notre seconde famille. J'ai connu Jules d'abord à l'ICEA, actuellement c'était Sevoza à l'époque. On a travaillé sur les émissions, surtout que moi j'ai des émissions que j'ai produites dans le cadre de stage et vos arts. Et puis j'ai connu encore Jules en tant qu'attaché de presse à l'hôtel de ville. Et en tant que tel, on a effectué beaucoup de voyages avec Jules à l'étranger, à Pointe-Noire, à Brazzaville. Son ami, son frère, que son âme représente. Merci. Eh bien, Jules Lombo, c'est un journaliste que j'ai trouvé ici. Et c'était un bon présentateur du journal. Et également un bon encadreur. Quand je suis arrivé, je crois qu'il était déjà, il est devenu chef de section. Donc c'est lui qui a encadré la rédaction. Et avec beaucoup de regrets qu'on vient de perdre un grand à la personne de Jules Lombo Kashita, paix à son âme. Et je présente mes condoléances à sa famille biologique et à toute la famille de la RTNC. Et il a appris à encadrer beaucoup de jeunes. Ils sont aujourd'hui des vedettes de la télé. En tout cas, au niveau de la direction Info TV, chacun a retenu de quelque chose, surtout sur le plan professionnel. C'est d'abord quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés, surtout nous, la jeunesse. À l'époque, c'était pratiquement l'homme de 23 heures. C'est lui qui faisait le journal de 23 heures. Il est tombé arme à la main, ça il faut le dire, parce que pas plus tard qu'hier, avant sa mort, on a passé pratiquement toute la journée ensemble. Il a assisté à la conférence des rédactions des 14 heures. Un départ brutal qui chagrine la RTNC, la direction des Infos TV, mais aussi ta famille. Adieu Papa Jules. Et c'est sur cette triste nouvelle que nous terminons ce journal qui a été réalisé par Pécho Mubenga et Mamita Bongoulou. La partie technique était assurée par Yannick Yangumba et Papi Voilé. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC.